Alors, l'informatique, il y a 20 ans, bon, voilà, bien que j'étais presque panée, je m'en rappelle quand même. L'informatique, il y a 20 ans, c'était des gros serveurs, des imprimantes qui faisaient crit, 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 qui imprimaient très longtemps. C'était des ordinateurs sur lesquels on enregistrait peu de choses. Il y avait encore beaucoup de papier et heureusement, parce qu'ils ne tournaient pas aussi vite qu'aujourd'hui. C'était des téléphones qu'on pliait en deux et qu'on refermait. Et on était super contents, c'était super moderne. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas de Wi-Fi. Voilà, donc on communiquait beaucoup moins. Mais d'un autre côté, on avait une information plus rare et donc parfois plus fiable. Voilà, c'était ça l'informatique il y a 20 ans. Et dans 20 ans, l'informatique dans 20 ans, alors ce que j'imagine, ce sont des hologrammes, des robots virtuels en fait, qui seront nos assistants de vie, qui nous demanderont ce qu'on veut manger le matin, comment on veut s'habiller, qui nous rappelleront nos rendez-vous, qui nous diront où égarer notre voiture qui évidemment roulera toute seule, plus besoin de passer le permis de conduire. Voilà, l'informatique dans 20 ans, c'est une assistante de la vie de tous les jours et je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à continuer à être actif, à faire du sport, etc. parce qu'on n'en aura quasiment plus besoin puisque nos petits assistants virtuels feront tout à notre place.